Hop, on reprend là où on s'était quitté dans l'épisode 4. Je suis en train de gravir la montagne. Enfin, de gravir la montagne. Pour le moment, je traverse le village où le blé pousse. Et je... Bonjour. Bonjour, enchanté. Je suis un nouvel habitant de votre magnifique commune. Je sais pas si elle a un nom. On lui en donnera un, tiens. Si vous avez des idées de nom, lâchez-les dans les commentaires. Je prends bonjour, petit lapin. Quel niveau ? Possipi 17, au revoir petit lapin. On va pas s'attaquer à trop gros. Je vais remonter tout en haut de la montagne pour aller récupérer, souvenez-vous, mon équipement. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette aventure, Pokémon Zoo. Ravi de vous retrouver pour la suite. Attention, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, je peux me le permettre ou pas? Non. Ah. Quoi qu'il a l'air de se faire mal. Il a l'air un peu blessé, est-ce que ce serait pas l'occasion? Non, allez. Perdons pas de temps. Magnifique vue. Ah, on l'a pas vu encore comme ça. Ce village. Donc comme je le disais dans l'épisode précédent, magnifique trouvaille. Je suis rassuré. J'étais vraiment inquiet de ce qu'allait devenir cette aventure. Et je me disais que si j'étais réellement sur une petite île, et que je n'y trouvais absolument... On a quelque chose là-bas que je veux absolument voir. Si je n'y trouvais absolument aucune... Un roucoul. Le roucoul, c'est niveau 30, je me bouge. Alors c'est quoi ça? Un étouraptor, mais oui, suis-je bête. Magnifique. Il est beau. Il me rappelle l'aigle dans Angry Birds. Je sais pas si, pour ceux qui ont vu le film d'animation, c'est vraiment ça. Je descends la montagne en courant, et non pas à cheval. Oui, je fais une allusion à une vieille chanson bien ringarde. Et là, je vais pas perdre de temps. Je récupère tout ce qui est là et on retraverse la montagne. Alors, je vous le dis direct. Je me suis permis, je le ferai parfois, d'enregistrer ce cinquième épisode, puisqu'on est au cinquième, à la suite du troisième. Attendez, je vais voir ce qu'il y a là-bas. On va les laisser se battre entre eux. Des mystères, niveau pas très élevé. On va attendre que le combat se termine. Ils sont vénères. C'est méchant un Pokémon en fait. Ah, à nous. Là-haut. Allez hop. Je vais pas t'attaquer. Arco, allez. Il est où? Je veux ce mystère. Allez. Attaque. Mais pourquoi il attaque pas? C'est ça, il faut que j'envoie ma Pokéball avec mon Pokémon. Mystère, ne bouge pas. Ouais. Je veux te battre. Non, meurs pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens. J'ai pas compris. Le Mystère a décollé. J'ai pas compris. C'est un Mystère fusée, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il est parti vers le ciel. Alors là, j'ai pas de réponse. Si vous savez, vous dites. Moi là, je sais pas. Je sèche. Allez, on récupère tout ce qui est là-dedans. Ah, on va de bonne surprise en bonne surprise, en tout cas, et ça, ça fait vraiment plaisir. Je commence à me sentir beaucoup mieux dans cette aventure. Plus en face, oui, je vous disais, donc j'enregistre les épisodes les uns après les autres exceptionnellement, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire tout au long de la semaine. Quant au rythme de sortie des épisodes, je me suis dit que 3 épisodes par semaine... d'ordre général, en manière générale, et sauf cas exceptionnel, je pense que c'est pas mal. Donc, il y aura sans doute un épisode de Pokémon Zoo le lundi, un épisode de Pokémon Zoo le mercredi, et un épisode de Pokémon Zoo le vendredi. Lundi, mercredi, vendredi, en fin d'après-midi, début de soirée, vers 18h, par là, 17h, 18h. Et il est probable que j'enregistre parfois les 3 épisodes à la file, comme je vais sans doute le faire aujourd'hui, ou alors au fil du temps, en fonction de mes possibilités, de mon agenda de ministre, non, de mon agenda de mon emploi du temps que j'ai tout simplement pour le faire. Voilà, vous savez tout. Aïe, je suis tellement pressé, je me suis fait mal. Donc on retourne jusqu'au village, et là... Je vais pouvoir clairement m'installer et me poser. En passant, je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas un petit peu
J'ai cru que c'était un Père Noël. Je sais pas pourquoi. De dos comme ça, avec juste ma pelle, enfin ma torche, j'ai cru que c'était un Père Noël. Alors s'il n'y a pas un peu de blé ou de patate ou de carottes qui ont poussé depuis la dernière fois. Si, je prends. Je pense que je vais faire mon propre champ. Faut que je plante aussi des noix-grumes. Je vais replanter quelques carottes. Mince. Là, on a du blé. Je récupère ça. Ah, ça reste Minecraft. Peut-être d'ailleurs que j'arriverai pas à faire ce zoo. Non, j'en sais rien, mais tout est possible. Même l'échec. Voir l'échec. Je suis en train de ramasser ce blé comme un goujat, comme un souillon. Hop. Voilà. Il me semble qu'il y a encore un champ de l'autre côté. Je vais aller le vérifier de ce pas. Bonjour messieurs, dames, il est là. Bon, je prends ça et ensuite je vais faire mon propre champ, évidemment. À côté de ma petite maison, je vais absolument me construire quelque chose. Bonjour. Je suis peut-être en train de ramasser vos carottes, c'est ça? Ok. Il a juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ou il ramasse? Je sais pas. Est-ce qu'il va m'autoriser à le faire? J'y vais, hein. Je sais pas si j'ai le droit pour le coup. Ce monsieur m'inquiète terriblement. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il replante, hein. Ok. Je me permets de ramasser, mais je replante aussi, hein, si ça vous dérange pas. Il fait engueuler par les habitants. Ils auraient bien raison. Je vous mets des carottes. Si ça vous va. Voilà, merci monsieur. Ah, mais ils sont. Non, c'est toujours lui, il est très rapide. Merci monsieur, au revoir. Oui, ce sont des PNJ, mais je les remercie quand même. C'est la moindre des choses. La politesse dans le jeu vidéo est importante. On a encore un champ. Juste là. Tu fais mal. Allez, je ramasse tout ce qu'il y a à ramasser. De toute façon, c'est la nuit, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et je me rends. Après avoir pillé le village et ses ressources, je retourne là où je compte m'installer. Ah, je suis content, c'est juste paradisiaque. L'endroit est merveilleux. Et en plus, on a été accueillis par ce qui est sans doute un des plus beaux Pokémon qui soit. Et dont j'ai déjà oublié le nom. C'est grave. Mince, mais je veux ma bouteille là. Merci. Il faut que je boive. Ben, on va traverser. Attendez. Je voudrais aller voir ces Pokémon. Car je me demande si cela, je ne pourrais pas tenter de les attaquer avec Arco. Arco, est-ce que tu es tenté par un combat? Est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es chaud? L'avantage, c'est que si Arco meurt, eh bien, l'infirmerie n'est pas bien loin. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir le faire combattre autant de fois que je veux. Alors, je sais pas s'il gagne de l'XP même quand il perd. Ça m'étonnerait. Il y avait un petit Pokémon là qui m'intéressait par là. Où est-il? Donc le Ramolos, non. Slow, ouais, tu as raison. Moi aussi je suis slow. Eh bien non, il est parti. Alors voilà où j'étais resté. Hop, double coffre. Alors, par quoi je commence? C'est là toute la complexité de la chose. Par dormir peut-être pour attendre le jour, ce sera peut-être encore la meilleure des choses à faire. Je vais dormir et puis au petit matin, je prends des décisions importantes. Allez, bonne nuit. Le jour se lève. Magnifique. Sublime. Ne perdons pas de temps. C'est le jour des décisions. Alors, qu'est-ce que je vais bien faire de moi? Alors que voilà, c'est lui. Non, mais vous battez pas entre vous. Je le veux pour moi. Ah, oh là, le Krabicoque, comment il a défoncé le Ramolos.
Comment c'est possible? Niveau 30. Ah oui, non, c'est un gros crabicoque. C'est exactement ça que j'avais vu la dernière fois, de niveau... de petit niveau. Je repère les lieux. Écoutez, je crois que je vais fabriquer mes champs par ici. Je vois bien ma maison à côté de ce petit cours d'eau, ce petit trou d'eau. Ce monsieur qui a l'air de errer, parce qu'en fait, je regarde ses vêtements et je me dis que c'est un survivant comme moi. Je ne sais pas s'il est installé là. Je ne pense pas. Je vais, moi en tout cas, me mettre par là. Je pense que ma maison va être ici, donc mes cultures seront juste derrière, donc je vais les faire ici. C'est parti, je commence par faire un petit peu de déblayage. Ça va me donner l'occasion de récupérer quelques graines. Et je vais planter tout ce que je peux planter, que j'ai sur moi. Je vais faire des champs et des cultures qui seront inspirées de celles des villageois, en fait, qui sont installés pas loin. J'ai bien aimé la façon dont ils ont fait leurs champs. Je pense que je vais faire la même. C'est-à-dire avec du bois autour. Oh là là, des larves. Comme je suis content, j'adore ça. Je peux pas la prendre. Est-ce que je pourrais pas manger un truc que j'ai sur moi? Non, je vais vider mon coffre. Je vais vider mon inventaire dans mes coffres. Alors qu'on a un homard géant qui se promène juste là. Pardon, excusez-moi. Et crapins niveau 7. Oh, ah, celui-là, on se le fait. Allez, hop, Arco, attaque les crapins, là-bas. Dépêche-toi. J'ai dit les crapins, non, non. Pas le Ramolos, les crapins. Alors, qu'est-ce que c'est? Ramolos, Arco. Arco, tu as fait le mauvais choix. Tu vas te faire défoncer. Regardez, on a bien la vue. Je tente le combat, mais j'y crois pas. Voilà, au revoir. Tu t'es fait démonter, Arco. Tant pis pour toi. Non. C'était lui que je voulais. Les crapins. Bon, je suis pas encore au point au niveau des combats. Cet arbre unique, je vais le récupérer, ça fait du bois. Et on en a jamais assez. Je regrette de ne pas avoir emmené plus de matériel. Alors, je vide mon inventaire pour le moment, de manière un peu anarchique. Hop. Et je ferai du rangement ensuite. Ça, je garde parce que j'ai faim. Ramolo, ça va pas le faire. Si tu restes à côté de moi comme ça, à faire slow, sans arrêt, je vais péter un câble. Barre-toi. File. Casse-toi. Bouge. Mais reste pas là. Je t'en supplie, t'es chiant. Insupportable. Non, mais non. Bon, écoutez, on va faire avec. Je vais prendre ça. Le charbon. Je voudrais cuire mon fer. Il me semblait qu'il m'en restait... Et je me trompe peut-être, j'ai de la bauxite, mais le fer, j'en ai plus. Je trouve ça étrange. Est-ce que j'ai réussi à perdre du fer quelque part? Je ne sais pas. Alors on va cuire ça, c'est pas grave. Voilà, alors on m'a dit, est-ce que tu peux cuire les bouteilles pour faire de l'eau pure? Qui ne me rendrait pas malade? Eh bien, je ne crois pas. Ah, j'ai mangé mes larves, j'ai pas pris le petit-déj. Temps. Ça, c'est la cécité. La larve donne la cécité. Bon, on va profiter de cette cécité pour boire de l'eau. Je le précise. Allez, bois de l'eau. Ah, je peux plus, c'est vrai. Ma jauge est pleine. Alors, je vais prendre le bois qui est là. De la terre. Encore de la terre, je vais prendre cette pelle en fer, j'en referai une, cette pelle en pierre qui me servira aussi. Réfléchissons. Alors, du fer, j'en ai 28, mais pour le moment, je vais le garder de côté. Je vais prendre cette larve, cette pomme. Je ferai du pain plus tard. Alors, notre champ, on a dit qu'on le faisait par là-bas. Notre champ. Oui, j'estime que vous êtes un petit peu avec moi. Donc je parle, je dis nous. Je vais couper cet arbre. Voilà qui est fait.
Je pense que là, on a une belle zone susceptible de pouvoir accueillir plusieurs plantations. Je vais faire de... Je vais pas être très gourmand, je vais pas faire d'énormes plantations. Voilà. On va commencer modestement. Bon, c'est un petit peu d'ailleurs le leitmotiv de l'émission, enfin de l'émission, de la série, de l'aventure. La modestie, hein. Il file en faux. Allez, c'est parti. Je vais poser deux blocs comme ça. Je mettrai de l'eau entre chaque. J'improvise un truc, hein. Ça fait du bien de poser des blocs. J'ai l'impression de construire quelque chose. Enfin, c'est pas une impression. Je construis enfin quelque chose. Alors, patates, carottes, blé et les noix-grumes. Alors. Dans l'immédiat... Ah zut, c'est pas grave. Je suis en train de me dire... Dans l'immédiat, je vais faire comme ça. Il faut que je mette de l'eau dans ces deux rangées. Je vais chercher de l'eau tout de suite. Hop. Ah, je suis gay. Je suis content. Oui, je suis gay dans le côté, dans le sens heureux. Tellement heureux de d'être là. C'est beau, je trouve ça magnifique. Regardez, mais même eux, ils sont... La sieste, c'est la sieste. C'est trop bien, c'est trop bien. Mon seau. Ah, purée, c'est mon seau d'eau que je cherche. Enfin, je voulais aller chercher de l'eau, mais il me faut mon seau. Et il est dans mon coffre. Je l'ai fait un petit peu loin, ce coffre du... Est-ce que j'aurais pas dû aller soigner mon arco? Ça aurait été pas mal. Ah, attendez, je récupère mon seau. Là, vous voyez, il y a deux coquillasses que j'aurais pu choper. Ou tenter, en tout cas, de choper. Ah, le bélican va s'en occuper à ma place. Alors, le but, là, c'est de remplir d'eau les fossés à l'intérieur de ma culture. Voilà. Et l'eau est loin. Non, elle est là. Ça va. Je pense que ça devrait suffire pour alimenter... pour hydrater ma terre. Ah, j'étais un peu court, enfin un peu long. J'évite de fabriquer un courant. Alors là, ce sont les choses un petit peu longues à faire, mais importantes. Voilà. Hop. Quelle eau limpide. Malgré cela, tout à fait impropre à la consommation, malheureusement. Oui, je disais tout à l'heure qu'en cuisant l'eau, non, enfin, on m'a dit cuis l'eau, tu devrais en fait, tu pourras en faire une eau propre, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce que je vais faire tout de suite, c'est, ah, j'ai mis mes coffres trop loin, ça c'est une bêtise. Il va falloir que je les rapproche. On va y arriver, je vais réussir à m'organiser. Je vais manger ça. Histoire de reprendre un peu de couleur. Alors. Ce que je cherche. On va prendre toutes les noix grumes. Je vais aller les planter de ce pas. Je vais prendre carottes. Je vais prendre... Où sont mes patates? Là. Je vais prendre ça. On va reprendre aussi la canne à sucre. Il faut absolument que j'en fasse pousser. Et donc je vais prendre ça. Et je vais planter des arbres aussi. Ça je prends. Il va me falloir des torches. Donc mon briquet. Je réfléchis. De quoi j'ai besoin d'autre dans l'immédiat? Écoutez, je crois que j'ai tout. Allez. Non, j'ai pas tout. J'ai pas tout, il me faut une houe. Et mon atelier est là-bas. Ah, faut que je rapproche tout ça, absolument. Je vais pas vous opposer ça maintenant, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas envie de déménager ces quelques affaires là tout de suite. Même s'il va bien falloir le faire tôt ou tard.
Est-ce que j'ai du bois? Là. Alors. Non, c'est pas ça. C'est ça. J'en fais une en bois, hein, je m'embête pas. Ce genre d'outils. Ce que je vais faire, c'est déjà déplacer ça et ça. Ce sera fait. Est-ce que j'ai fait cuire quelque chose? 31 lingots d'aluminium, parfait. Je vais toujours avoir un Pokémon bizarre à côté de moi qui va me faire des bouh, slow. C'est très pénible. Non, je plaisante, je trouve ça très marrant. Alors, on va commencer par planter ces noix-grumes. Je crois que j'ai vu trop petit pour mon champ. On verra bien. Je les plante un peu au hasard, hein. Elles sont par par couleur, mais hop, non, ça va, ça devrait tenir. Je pensais pas arriver au moins à ça. Enfin, quand j'ai il y a trop de plantes ici. Try plant elsewhere. Sérieux? Bon, j'en ai trop planté. Ok, alors est-ce que je vais pouvoir planter du blé par exemple, malgré tout? Donc là, je bine. Et je vais planter mon blé. Ce que je vais faire, c'est peut-être mettre quelques torches. Ce serait intelligent de ma part d'avoir quelques torches par endroit. Le blé, il veut bien, ça ne le dérange pas. Apparemment, on peut pas mettre trop de noix grumes au même endroit, tout simplement. Et alors maintenant, je vais planter carottes et patates. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec les carottes et les patates, les manger évidemment, mais alors est-ce qu'on peut en faire des soupes, des gratins? Je ne sais pas. Et je vais le découvrir. Carottes, patates. C'est parti. Voilà, et des patates. Alors qu'on a de la... Alors, c'est le Dracaufeu, mais je ne sais pas celui qui est méga, ce n'est pas non plus un Draco Shiny, c'est un Dracaufeu. J'ai vu de la lumière, je me suis demandé ce que c'était un Dracaufeu qui vole, tout bêtement, avec ses petites flammes au derrière. Je vais mettre des torches, mais alors comment? Je n'y ai pas pensé avant. Ah, j'ai bugué là, je me suis retrouvé dans le décor. Très étrange ce qui vient de se produire. Les torches sont où? Ici. Si, je sais ce qu'il faut que je fasse. Alors, j'avais dit que je me ferais... Non. Regardez ce qui se... Ah voilà. En fait, ma pelle, quand elle est main gauche, elle creuse. Vous voyez ce qu'elle fait? Très étrange. Alors je vais mettre des rondins de bois tout autour. Comme ça. Pour l'esthétisme. Je trouvais ça très joli dans le village. Ah, j'aurais pu le mettre comme ça aussi, ouais, c'était pas mal. Oui, ma hache. Ah merde! Ah le choc! Ah je pensais pas! D'accord, ok. Il a pas. Ça marche. Je refais, c'est pas grave. J'en suis pas là. Nos problèmes, on recommence. Alors. Oui, parce que je voudrais les mettre comme ça sera plus joli. Très bien. Combien j'en ai? Attendez. On fasse quelque chose d'esthétique. 1, 2. 3. 1, 2. Hop. 1, 2. Ah, dommage. Eh ben c'est pas grave. Voilà. Et donc je vais mettre des torches sur ces piquets. Ces énormes piquets. Voilà. Et on va pouvoir enfin allumer une torche et essayer notre briquet. Alors pourquoi je mets du... Yes!
Je viens de créer le feu. Et ça n'a pas de prix. Tu es content? Oui, pourquoi j'allume des torches autour de mes cultures? Eh bien, pour les éclairer, même de nuit. Ça leur permettra de pousser plus vite, a priori. Ah oui, là, on va avoir un problème si je fais ça. Je vais m'y prendre un petit peu autrement. Est-ce que j'ai encore du bois? Non. Et par contre, j'ai faim. Ce serait peut-être temps que je réfléchisse et que je pense à manger et me nourrir un peu plus sérieusement. Je vais poser ça ici. On va se rapprocher de mon champ. J'ai fait ça, je me suis installé beaucoup trop loin tout à l'heure. C'est une bêtise. Et je vais donc recréer des coffres. De toute façon, on n'en a jamais assez. Voilà. Elle m'énerve cette pelle. Ah oui, c'est quand j'ai la main vide. D'accord, j'ai compris. Là-dedans, je vais mettre tout ce qui est plante. Par contre, toi, je te garde parce que je vais crever de faim. Tout ce qui est plante, voilà. Ça. Ça aussi. Ah oui, le sable. J'avais dit que je me ferais une culture de... Il faut que je me fasse aussi une culture de canne à sucre. Je vais tout vider de toute façon parce qu'il faut que j'aille chercher ce que j'ai dans mes coffres là-bas. À nouveau. Et donc, je vais avoir besoin de place. Allez, je vais manger ces trois pommes. Il serait temps quand même que je me fasse un vrai, quasiment vrai bon repas. En passant, je vais en profiter pour récupérer un maximum de bois. J'avais dit que je replanterais des arbres aussi. Il va falloir que je le fasse. Je vais le faire aussi tout en me déplaçant. Il va falloir que je réussisse réellement à optimiser mes déplacements et mes actions. Pomme! Ouais! Où est-ce que je vais planter des arbres? Je vais en mettre par là. Lui, il est trop près. Ah oui, parce qu'il va me falloir quand même du bois. Et l'endroit n'en a pas tellement. Voilà, ça suffira pour le moment. Pardon. Là, je récupère tout ce qu'il y a là-dedans. Finalement, il n'y a pas grand-chose. J'avais déjà ramené beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup de blé. Hop, on quitte cet endroit. Petit déplacement vers... Alors, c'est très joli. Je sais pas si vous avez vu, il y a des lucioles de temps en temps. C'est beau. Et ça fait du bien d'avoir un endroit éclairé. Un peu construit, finalement. C'est un début, mais ça fait plaisir. Est-ce que j'ai encore du bois sur moi? Non, j'en ai que deux. Alors. Ça, je garde parce que je vais en avoir besoin. Je pense que mes coffres vont être... S'il te plaît, pose-moi un coffre. Merci. Bon, je vais le mettre là. Donc là, je vais garder ça. Je vais laisser tout ce qui est... Tout ce qui est alors c'est bizarre. Je sais pas si vous entendez le grand silence. Tout d'un coup, le mode qui génère des sons d'ambiance vient de s'arrêter. Et j'entends une mouche. C'est très bizarre ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de pas prêter trop attention. Toi, je vais te réinstaller. J'en ai besoin de toi. Est-ce que je peux te mettre là? Ce serait pas mal. Entre les deux coffre, oui. Et je vais faire cuire. Est-ce qu'on peut faire cuire l'andésite? Non, je teste, hein, je n'en sais rien. Capsule or. Ok, bah je te fais cuire, on verra bien ce que ça donne. Je n'en sais rien non plus. Peau de lapin. Rubis. Saphir. Améthyste. Tout ça, je range. Voilà, l'organisation est d'une importance capitale. Et Dieu sait que j'en manque. Donc, je vais essayer de faire un effort. Je vais garder ça parce qu'il va falloir que je mange quand même à un moment. L'andésite, on va la mettre ici. Le bois. Ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ça, je garde. Ça, je garde. Seau de lave, je range. J'en ai pas besoin non plus, je crois. Coup de boule.
te range aussi pour le moment. Silex, je range, ça je garde aussi pour le moment. Et ça, finalement, je vais le ranger parce que j'en ai pas un besoin fou. Oh, regardez, ça pousse. Ça y est, j'ai des boules. J'ai fait pousser des petites boules. C'est chouette. Je vais pouvoir fabriquer mes premières Pokéballs dans pas longtemps, je pense. Ce que je veux, c'est récupérer du bois. Je veux finaliser ce champ, je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit ma première construction et qu'elle soit magnifique. Ah oui, ça y est, je suis plein. Il serait peut-être intelligent, avant toute chose. Excusez-moi. Je change d'idée, mais je pense que planter, me faire un champ de canne à sucre serait vraiment une très bonne idée. Et alors pour ça, il va me falloir du sable. Et je vais faire exactement comme j'ai fait là. C'est-à-dire dans la lignée. Voilà. Hop, il me faut de l'eau. Je vais la prendre, hop, ici. Bêtise. Mais rien de grave. Voilà. Pas simple de mettre l'eau au milieu des noix grumes. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai réussi à faire... Non, il y a du courant. Il faut absolument que je résolve ce problème. Voilà, ça m'a l'air plat. Non, pas tout à fait, regardez. Juste là... Ouais, non, c'est bon. Et là-dedans, je vais planter. Parce que ça, ça va me permettre de faire des filtres. Du papier. J'en aurai besoin. Je vais mettre une deuxième ligne. Ah, il me faut de l'eau. C'est vrai. Il me faut de l'eau. Donc, je vais faire ce que j'avais prévu de faire. C'est couper des arbres. Encadrer... tout ce champ avec de magnifiques troncs d'arbres pour que ce soit beau. Récupérer tout ce bois. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Bon, la cabane, ce sera pour plus tard, je pense. Voilà. Écoute, tu es beau, tu es magnifique, mais je vais te couper. Lui, il va me donner plein de bois. Une pomme. De toute façon, j'ai replanté énormément d'arbres, donc a priori, ça devrait repousser assez rapidement. D'ici quelques jours, j'aurai à nouveau des arbres un peu partout. Je viens d'entendre un Pokémon. Faut que je pense à aller ressusciter Arco. Écoutez, je me dépêche de finaliser... Oui, je veux du tronc. J'aurais pu en faire du bois, mais je veux du tronc. C'est tellement plus beau, c'est naturel. C'est esthétiquement très joli. Ah oui, non, là, faut que je me méfie. Hop. Et je suis bête. Je suis bête. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je vais recasser ça. Il faut que je mette de l'eau. Il faut que je mette de l'eau pour pouvoir mettre plus de... comment je vais m'organiser pour ce coup-là? Eh bien, comme ça. Ah, ça me plaît pas ce que je suis en train de faire. Non, mais juste une, ça suffit. Je vais faire juste une. Oui, en fait, j'espérais... Je voulais faire une deuxième ligne de canne à sucre, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'une seule suffit. Et donc, je vais n'en faire qu'une. Ça tombe bien, je viens d'avoir une tarentule en creusant ce sable. Il va falloir que je pense à boire à un moment ou à un autre.
Oh là là, je me dépêche et je fais n'importe quoi. Allez. Voilà. Bon, écoutez, ça prend forme. Voici mes premières cultures et j'en suis sincèrement assez fier. On dirait un jardin botanique. C'est sublime, c'est beau. Voilà. Ah oh, la vache, je suis très content d'avoir réussi à avoir eh bien ces premières pousses, cette ébauche de quelque chose d'un peu concret, d'un peu construit, d'un peu travaillé, d'un peu voilà, j'ai creusé, j'ai coupé du bois, j'ai posé du bois. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure. Il me reste plus maintenant qu'à gérer cette histoire de Pokémon. J'avais dit qu'avant de se quitter, parce que ça va arriver dans pas très longtemps, il allait falloir que je boive et surtout, important, que je regardez, l'arbre vient de pousser, il va y en avoir d'autres. Que j'aille ressusciter mon Pokémon, ce sera fait. On va aller le soigner, mon petit Arco. Il s'est attaqué bah, quelqu'un de plus fort que lui. Ce qui n'était pas vraiment une bonne idée. Vais traverser tout en buvant. Qu'est-ce que c'est beau? Regarde, on dirait un lagon. C'est le lagon bleu du Pokémon. Superbe. Oh! Alors qu'on a un Florizarre, si je me trompe pas, qui vient. J'ai tendance à le confondre avec l'herbe bizarre. Je sais qu'il y a Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, qui vient d'apparaître juste derrière moi. Ultime Pokémon. Enfin, je finirai bien par réussir à attraper tôt ou tard. Je l'espère. On va manger une termite. Bonne idée. Il voit plus rien. C'est pas grave. Encore 5 secondes d'effet de cécité. Non, je vois rien. J'essaye d'avancer dans l'obscurité pour le coup. Attention, c'est bon, c'est revenu. Je vais pas prendre le temps de piller le village. Je n'en ai pas besoin maintenant, puisque j'ai mes propres cultures. Alors, on va soigner ce petit monde. Bonjour. Je m'en occupe moi-même, hein. Notre ami n'est pas là. Est-ce qu'il va me soigner mon Pokémon? Niveau 19, voilà. Ah ben il y a peut-être un poste à pourvoir. Moi je veux bien être infirmier ici. Je sais pas où il est parti. Oh ouais. Ok, bon bah il est plus là. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ah il a dû avoir peur. Ah forcément, en voyant arriver comme ça avec l'hache, il a dit « C'est quoi ce dingue? » Ah, c'est ça qui a dû se produire. Non, je déconne. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques jours. À bientôt. Ciao!